Donc Nini, tu vas allumer ton portable. Donc je touche pas ton portable du tout. Et tu vas aller sur Safari. Et en haut dans la barre d'adresse, on va aller sur Google Images. Donc tu vas taper googleimg.com. Et dès que tu y es, tu me dis. C'est bon. C'est bon? Donc maintenant tu vas rechercher ce que tu veux, tu tapes ce que tu veux, une personnalité, un objet, un lieu, ce qui te passe par la tête, même un mot compliqué, ce que tu veux, n'importe quoi, vas-y. Et dès que tu as tapé le mot, tu le montres à la caméra. Moi je regarde rien, j'ai le dos tourné depuis le début. Mais je tape sur recherche. Ouais. Vas-y, donc tu montres à la caméra ton mot quand c'est fini. Ouais. C'est bon? Ok, c'est bon? Hmm? Donc tu caches bien ton téléphone. Hmm? Et donc, donc moi j'ai le dos tourné depuis le début, hein, j'ai pas touché à ton portable. Donc tu penses très fort à ce que tu as tapé, d'accord? Je pense que c'est pas un objet. Non. Je pense que c'est pas un animal. Non. Ni un lieu. Je pense que c'est une personnalité. Oui. Je pense qu'il vient du monde du showbiz. Ouais, il fait partie du monde du show business. Je vois plutôt dans la musique. Oui. Musicien et chanteur peut-être. Musicien, chanteur, je vois. Oui. Ouais. Je vois des longs cheveux, genre des locks ou des trucs comme ça. Éventuellement, oui. Ouais. Ou même des fois, ou pas, ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Je vois des fois pas de locks et des locks. C'est bon ou pas? Ouais. Je suis bon pour l'instant. Ouais. Donc je suis plus chanteur. Ouais. Donc pense à la première lettre de son prénom. Ouais. À la deuxième lettre. Troisième lettre. Quatrième lettre. Cinquième lettre. Stop, il n'y a plus cinq lettres. C'est ça. Ok. Donc je pense. Est-ce qu'il y a, ça commence par un L, Oui. un E, Oui. un N, Oui. un N Oui. et un Y? Oui. Lenny Kravitz. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Tu peux montrer à la caméra, c'est bon? C'est bien Lenny Kravitz? Donc voilà. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. J'espère que le tour vous a plu. Donc c'était une nouvelle démo de Inject 2 de Greg Rostami. Donc là, je vous ai fait la routine pour moi qui est hyper forte. Pourquoi? Parce que vous ne touchez jamais au téléphone du spectateur, contrairement aux deux autres démos que je vous avais fait auparavant. Donc c'est vraiment mortel, hein. Vous demandez à sortir le portable, d'aller sur l'adresse Google Images. Et peu importe ce que la personne tapera, vous aurez de l'information en temps réel. Donc voilà, donc c'est vraiment une routine de folie, je trouve, qui est une de mes préférées de cette application. Donc voilà, j'essaierai de vous faire d'autres démos par la suite. J'espère que celle-là vous a plu. C'était Google Images de Inject 2 de Craig Grostami. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.